Tex, c'est reparti. Edra, terminé. Attends, je fais un truc en même temps. C'est là qu'il faut mettre. Tac, 9. C'est sûr que ça s'est exporté parce que l'autre fois ça buguait. Hier, je veux dire. Allez, on va faire la mission. Ah, il faut attendre que la progression l'arrête. Ça arrête de me rechercher. J'espère que ça me l'a mis. Ah, ça marche. Nickel. Ah, c'est bon. C'est mis en ligne. Je pense que je vais changer l'image du truc. Je vais changer l'image. Mettre la même couleur, mais changer d'image. Bureau. Non, allez, je fais un truc. Hein. Après, je continue. En même temps. Ah, mais pas du tout. Tac. Tac. Il faut que je réussisse à m'enfuir. Je veux pas mourir. Laissez-moi tranquille. Ne me faites pas de mal. S'il vous plaît, laissez-moi. Je pense à ça, mais pas du tout. Ne me faites pas de mal. S'il vous plaît, laissez-moi. Non, laissez-moi tranquille. Je veux pas mourir. Comme ça. Laissez-moi tranquille. Je veux pas mourir. Il faut que je réussisse à m'enfuir. S'il vous plaît, laissez-moi. Ne me faites pas de mal. Bureau. Mais pas du tout. Ah, c'est bon. On y retourne. Il fait chaud là. Faut que j'essaie de passer, ça me fait avoir encore.
Oh, ça va être chaud. Non, y'a personne. À la voiture. Ils sont relous les flics là. Live commence. Merde. Ah le con. La bouger pour qu'elle me casse pas les couilles. Voilà, foutre. Pas les flics. Je suis obligé par contre, ils me cassent les noix. Sauvegarder ici.
Voilà. Ouais, il est keuf. Méca de ouf là. Déjà en route pour les hangars principaux avec l'équipe de MacReady. On doit les retrouver là-bas. T'es prêt à partir ? Pas encore. J'ai quelques trucs à finir avant. Vaut mieux pas les faire attendre trop longtemps. J'ai un point de compétence. Alors, Anolam, pirate, là, je... Latence de recharge modérée. On va attendre un peu, je vais rien toucher là pour l'instant, je vais essayer de me mettre le vitesse Icarus. Est-ce qu'il y a des missions secondaires là? J'ai tout fait non? Attends, on va regarder les missions secondaires qu'il y a. Il n'y a plus rien, d'accord. Allez, allons localiser Radrich Nikolai Thais. Ça c'est foutu. Améliorer. Ok. On y va. T'as fait ce que t'avais à faire? Ouais, en route. Sérieuse.
Je comprends bien, oui. Mais des centaines de vies sont en danger. J'espère que vous avez tort, Jensen. Moi aussi. Bien. Bien. Mettez vos hommes en retrait jusqu'à ce que je lui ai parlé moi-même. Terminé. Changement de plan. Quoi ? Mac, vous allez rejoindre la brigade de Londres avec votre équipe. Vous sécurisez le périmètre en attendant que je vous donne l'ordre d'intervenir. Jensen, vous et moi, on couvre le point. Il y a un problème ? Approchez, messieurs. On commence à approcher du bâtiment cible. Ouvrez-vous. C'est un piège. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez le topo ? Il y a des types là-bas. Des radicaux, des augmentés, qui ont été mis sur la touche par les humains, et qui pensent que la seule façon de mettre un terme à l'oppression, c'est d'anéantir tout ce qui se trouve sur leur chemin. Peut-être que leurs griefs sont légitimes, on devrait peut-être même les écouter. Mais jamais à ces conditions. Le monde part peut-être en couille, mais on est là pour combattre le chaos. Tous les invités en bas comptent sur nous pour les protéger. Soyons dignes de leur confiance. Docteur Miller, je suis Nathaniel Brown. Merci d'avoir accepté d'intervenir discrètement. On n'a pas vraiment eu le choix. Vous avez menacé d'invoquer la loi de souveraineté des entreprises. J'ai laissé à vos hommes de Londres un jour entier pour détecter des explosifs. Ils n'ont rien trouvé. Il n'y a pas que les bombes qui nous inquiètent. J'ai aussi fait renouveler tout le stock de nourriture et de boissons, fait venir des gardes supplémentaires de la société Tarvos et leur ai donné l'ordre de collaborer avec vos hommes à leur arrivée. Croyez-moi, je prends cette menace très au sérieux. Alors pourquoi ne pas annuler ? Ce n'est pas la première fois que des extrémistes menacent de faire capoter le projet Refuge. Les pros augmentés pensent que nous profitons de leur malheur en soutenant d'autres échecs, comme Golem City. Et les anti-augmentés ne supportent pas l'idée qu'un augmenté puisse vivre en paix. En annulant cet événement, nous ne ferions que les encourager tous. Les types qui comptent attaquer ce soir ne sont pas des amateurs. Ils ont assassiné Talos Rucker. Et ils comptent bien faire porter le chapeau à la Coalition si leur attaque réussit. C'est vrai ? Comment vous le savez ? Ça n'a aucune importance. Si nous sommes là, c'est parce que la menace qui pèse sur vous et sur la Convention est réelle. Ces hommes sont prêts à tout pour vous arrêter. Ils savent que vous militez contre la loi pour le retour à l'humain. Ils veulent la faire passer, et ils se foutent bien du nombre de vies qu'ils détruiront au passage. Mais nous, non. Vous êtes l'agent Jensen, c'est ça ? David Sarif m'a parlé de vous. Vous ne me croirez peut-être pas, mais moi aussi j'essaie de sauver des vies ce soir. Celles de vos semblables. Plusieurs membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont invités. Et je veux les convaincre que cette loi est une mauvaise idée. Le docteur Talos Rucker n'y est pas parvenu. Mais moi je le peux. Où a lieu cette réunion ? Dans une salle sécurisée derrière la salle de réception. Votre brigade de Londres l'a passée au peigne fin. Peu importe. Je veux voir cette pièce. Et je veux que l'agent Jensen fasse le point avec les gens de chez Marcus. Pendant que le reste de mon équipe inspecte à nouveau le bâtiment. Discrètement, bien sûr. Le chef des hommes de chez Tarvos s'appelle Liam Slater. Il attend que votre homme le rejoigne au PC de sécurité. Allez-y, Jensen. Et tenez-nous au courant. Monsieur Brown, si vous voulez bien me conduire à cette salle de conférence.
Alex, je suis à l'Apex Center. Brown a fait venir des membres du Conseil de Sécurité. Ceux en faveur des droits des augmentés. Vous comprenez qu'ils doivent être protégés à tout prix. Janus ? Vous m'espionnez ou je me trompe ? Pardonnez-moi, mais la situation semblait l'exiger. Ok. Si j'ai besoin de vos conseils ce soir, je vous le dirai. Les Illuminati ont déjà tenté de contrôler l'évolution humaine. Après leur échec, il semble que certains d'entre eux militent pour l'éradication totale de vos semblables. Nous devons les arrêter. Et Brown et ses invités de ce soir sont peut-être les seuls à le pouvoir. Adam, Janus a raison. Les Illuminati ? Je vous assure que nous maîtrisons la situation. Dégagez. Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est réservé au personnel de la sécurité. Monsieur Slater m'attend. Slater ? Il est indisponible pour l'instant. Une urgence à traiter. C'est pour cette urgence que je suis là. Avec qui vous avez dit que vous étiez déjà ? Personne. Écoutez, j'ai un rendez-vous avec Liam Stevens, le directeur Stevens. Et j'ai pas beaucoup de temps. Vous pourriez essayer de le joindre pour moi ? Je vais même faire mieux que ça. Vous, vous restez là. Et moi, je vais prévenir Stevens que vous l'attendez ici, ok ? Miller, MacReady. Tarvos veut pas me laisser entrer. Le garde à qui j'ai parlé, il... Il y a clairement un problème. MacReady, quelqu'un de chez Tarvos vous a déjà contacté ? Négatif. Et d'ailleurs, c'est plutôt bizarre. Merde. S'ils ont déjà pris le contrôle du bâtiment, ça va... Bon, bref, restons concentrés. Jensen, entrez dans le bureau de Slater pour voir ce qui se passe. Merci. Mac, envoyez une équipe en renfort, tout de suite. On est déjà en route. Zone sécurisée. Faites-nous confiance. Balisage nécessaire. Sécurité active, confirmée. Je sais pas si ça me fait repérer, putain. Maintenant qu'il se barre.
trou est serré. Confirmé. Confirmé. Je vous suis. C'est bizarre ça. Patrouille serrée. 40 possibles. Confirmé. Déplacement confirmé. Mes amis, les ténèbres se sont abattues sur notre monde. Mais là où règnent les ténèbres, on trouve aussi des opportunités qui ne demandent qu'à être saisies. Nous seuls sommes en mesure de ramener la lumière sur le monde. S'il le faut, nous reprendrons le flambeau et nous nous assurerons que tous les augmentés ont une chance de vivre dans la dignité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs... Miller, Macready, la télésurveillance montre une autre zone compromise à l'arrière. On dirait des cuisines. Oui, je l'ai en visuel. On dirait bien que nos faux membres de Tarvos passent par cette porte gardée pour accéder à la salle de réception. Oh, merde! Ils sont partout! Ils circulent parmi les invités. Non mais à quoi ils jouent? Pourquoi ils passent pas à l'attaque? Jensen, aucun signe de Marchenko ou de l'Orchidée? Négatif, rien. Miller, vous vous occupez de Brown? Je me dirige vers lui, mais Jensen, on doit savoir s'il compte se servir de l'Orchidée. Circuler dans la foule et trouver la clé de la porte. L'un des gardes doit bien l'avoir sur lui. Bien compris. Mais ce serait plus simple si j'avais une idée du nombre de gardes. J'envoie le chemin de leur patrouille à votre augmentation rétinienne. Mais il faut à tout prix éviter que ça dégénère ici. Alors neutralisez-les discrètement. Mac, rejoignez Jensen au plus vite. Je m'occupe d'amener Brown en sécurité. Bonne chance, messieurs. Bien reçu. Et Jensen, ça serait bien que vous fassiez un peu le ménage avant de quitter le PC de sécurité. Vaudrait mieux éviter qu'un de ces enfoirés aille prévenir ses copains. Balayage moyen en cours. Les mecs de Talos, putain. Ah, comment je vais faire? Tout va bien dans ce secteur. On recèle, mais... Je sais pas comment je vais faire. Ça va être chaud là. Contact négatif terminé. Fouille limitée, confirmé. Confirmé, pour la patrouille. Rien.
Balisage en cours. Faible dans le vecteur. Oh, c'était sûr. Mort péri direct. Ouais, c'était sûr. Ça va être serré là. Je sais pas comment je vais faire. Mes amis, les ténèbres se sont abattues sur notre monde. Ah, faut trop regarder. Putain. Mais là où règnent les ténèbres, on trouve aussi des opportunités qui ne demandent qu'à être saisies. Nous seuls sommes en mesure de ramener la lumière sur le monde. S'il le faut, nous reprendrons le flambeau et nous assurerons que tous les augmentés ont une chance de vivre dans la dignité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs... Miller, Macready, la télésurveillance montre une autre zone compromise à l'arrière. On dirait des cuisines. Oui, je l'ai en visuel. On dirait bien que nos faux membres de Tarvos passent par cette porte gardée pour accéder à la salle de réception. Oh, merde! Ils sont partout! Ils circulent parmi les invités. Non mais à quoi ils jouent? Pourquoi ils passent pas à l'attaque? Jensen, aucun signe de Marchenko ou de l'Orchidée? Négatif, rien. Miller, vous vous occupez de Brown? Je me dirige vers lui, mais Jensen, on doit savoir s'il compte se servir de l'Orchidée. Circuler dans la foule et trouver la clé de la porte. L'un des gardes doit bien l'avoir sur lui. Bien compris. Mais ce serait plus simple si j'avais une idée du nombre de gardes. J'envoie le chemin de leur patrouille à votre augmentation rétinienne. Mais il faut à tout prix éviter que ça dégénère ici. Alors neutralisez-les discrètement. Mac, rejoignez Jensen au plus vite. Je m'occupe d'amener Brown en sécurité. Bonne chance, messieurs. Ça va être serré. Hein. Bien reçu. Hey Jensen, ça serait bien que vous fassiez un peu le ménage avant de quitter le PC de sécurité. Vaudrait mieux éviter qu'un de ces enfoirés y prévenir ses copains. Va bien. Quadrillage restreint, confirmé. En direct pour Picus. Allégal vous offre le meilleur de la technologie. Fishpacks négatif terminé. Nos solutions portables peuvent stocker toutes vos données et proposent plus de 1000 fonctionnalités exclusives. Formation serrée, confirmé. Au sommet de la stratosphère. Allégal médium terminé. Nouvelle série sur l'innovation. Cette semaine, Rabi A. Passage en patrouille serrée. Confirmé. D'après ses créateurs, secteur toujours négatif. Un nouveau mode de vie. Un phare d'utopie qui est au cœur du projet Refuge et la Fouille. Cette ville. Fouille limite. Ah ouais, c'est déconnecté.
patrouille. Terminé. Un pôle de créativité et d'innovation stable sur le monde, basé sur les principes de l'arcologie. La rencontre entre architecture et écologie. Les plans et la construction. Et l'essentiel de sa construction a été effectué de façon aléatoire par algorithme informatique. Pour moi, le plus important. Passage de 40 en série. Je me ferai les mains. Pas dans le temps de quadrillage. Dans le cas des enfants. On passe en patrouille serrée. Confirmé. Confirmé pour la patrouille. Ça va être serré, hein. Putain. Patrouille serrée. 40 possibles. Confirmé. Carotte. Le secteur est négatif. Confirmé, nouvel ordre. Patrouille serrée. Déplacement confirmé. Confirmé. Arrêt de 40. Confirmé. Négatif sur l'incident. Il passe la balise et reprend. Serré. Confirmé. Réduction du niveau d'alerte. Miller, Mac, je suis à l'ascenseur. Je me dirige vers la salle de réception. Vous avez bien neutralisé toutes les cibles dans le PC de sécurité, hein? C'est votre dernière chance. Mac a raison, Jensen. Ok, je vais revérifier. Être mort, Adam Jensen. Mais non, il fallait que tu te pointes ici, avec ta clique de copains, et que tu m'obliges à modifier mes plans. Mais ce soir, à cause de toi, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants vont être sacrifiés. À cause de ton intervention, j'ai dû placer des explosifs dans les tours résidentielles juste en face. Tu peux déclencher la détonation à tout moment. Mais si tu viens au parc des expositions tout de suite, je ne le ferai peut-être pas.
Talos Rucker était patient, mon frère. Mais je ne suis pas comme lui. Viens me voir tout de suite. Macready, les bombes, elles... Je sais. Je sais pas si je les trouverai à temps, mais je suis déjà pas... Dis, putain de merde! Les mecs, c'est abusé. Après, c'est là, je vais arrêter. Là. Ça m'énerve déjà là. J'essaie de rentrer sans me faire repérer, ils me voient tous les mecs. Putain. Là, je crois qu'on va stopper ici. Parce que là, je suis en train de péter un câble. Thank you.
Comment je peux faire pour monter? Oh, c'est abusé. La cible est négative. Putain. Sérieux. On va arrêter là. Ça demain. Putain, c'est abusé quand même. Qu'est-ce qu'on va neutraliser tout le monde, c'est ça?
Ah oui, ils t'attaquent hein, les mecs, hein, c'est abusé. Adam, tu peux me dire ce qui se passe? On me signale des coups de feu dans l'Apex Center. Marchenko a pris le contrôle du bâtiment. Il menace de faire sauter les tours résidentielles à côté si je l'arrête pas. Fais ce que t'as à faire, mais s'ils comptent utiliser l'orchidée, c'est peut-être juste une diversion. Les délégués, notre avenir. C'est peut-être ça la vraie cible. Putain. Ils prennent que dalle. Il avance encore. On va arrêter ici. Bon, je vais arrêter. On va arrêter là. Il faut buter tout le monde. C'est sûr. Sauvegarder au moins. Sauvegarder. Sauvegarde minuit 17. Non, c'est pas ça. Sauvegarder. Ah, on va arrêter là.